bonjour. Après le camion à pizza, voilà le pizza bus, un bus rouge et blanc entièrement aménagé. Rencontre avec Yann, un pizzaiolo qui vous attend du côté de Martigny, faire chaud notamment pour déguster forestière ou tartiflette bien au chaud. Bah, le bus, c'était en fait c'est le côté déjà original. Et premièrement, deuxièmement, c'est pour que les gens soient au chaud, que moi je sois au chaud. Parce que j'avais commencé dans un tout petit camion et j'étais souvent au froid l'hiver et tout. Et après, l'idée est venue avant, mais je me suis dit bah, pourquoi pas. C'est en fait, sur Marseille, il y a une fédération qui existe pour les pizzerias ambulantes pour protéger justement la profession par rapport aux communes qui refusent ou qui acceptent. C'est un bus sans français, oui, c'est un bus 7e, oui. Oui, oui, tout à fait, c'est Renault. Non, l'idée du rouge et blanc, c'est qu'en fait, mon premier véhicule était un HY Citroën, qui était un camion de boucherie des années 70 et qui était rouge et blanc. Donc on a gardé le côté rouge et blanc et quand j'ai acheté celui-là, eh ben, j'ai fait refaire en rouge et blanc. Je l'ai acheté sur la région de Saumur il y a 4 ans et demi. Il était en partie un peu déjà fait et nous on l'a entièrement refait à notre goût. On est heureux, le bus en lui-même il coûte pas très cher. C'est toute l'installation qui est dedans, tout le matériel qu'il faut pour être aux normes. On a mis, 2 semaines pour tout réaménager entièrement dedans. Quoi. Ah ben, l'originalité fait que les gens s'arrêtent, oui. Déjà, ouais. Premièrement, c'est clair que c'est voyant. La spécialité, la pizza. Oh, j'en ai plusieurs, quoi. Celle où les gens s'arrêtent le plus, c'est tout ce qui est assez copieux dans la région, tout ce qui est forestière, tartiflette, ça les gens les aiment bien. Il y a une terrasse, oui. On se met dans l'autre sens et on profite du parking. Et on met 4 tables de 6, quoi, voilà. Mais c'est que là, j'ai pas de chronotachygraphe dessus, et puis de chronotachygraphe qui dirige en fait pour la vitesse. Donc je suis limité à 35 km de chez moi, dans les alentours. Le pizza bus s'arrête donc à Martigny-Ferchaux le dimanche soir. Il est également à Saint-Aignan le lundi, ou encore par exemple à Congrier le jeudi.